Et oui, on est en train de tester les nouvelles lunettes de chez Ray-Ban avec Meta qui reprennent un peu l'idée des lunettes Snapchat Spectacles avec une caméra juste ici qui permet d'enregistrer des vidéos en kit main libre sans les mains, de pouvoir avoir une vision humaine des yeux. Bref, je vous emmène avec moi où ça ? À New York, parce que oui, il fait très beau, c'est très sympa pour tester ces lunettes en conditions réelles. Mais le mieux pour en parler, c'est quand même d'être ici en studio au calme. Mais avant, petite interlude sponsorisée avec un autre produit qui cette fois-ci mélange un peu le meilleur de tous les mondes. C'est un produit de chez Dyson qui s'appelle le Submarine. Vous le savez, depuis cette année, je collabore avec Dyson sur plusieurs lancements. On avait pu parler de leur aspirateur, le Jensen Detect, du Dyson Zone, leur casque audio. Et bien ici, on va parler de son cousin en quelque sorte, le V15S Detect Submarine, qui en plus d'être un aspirateur très proche côté design, et bien il va partager de nombreuses caractéristiques avec son grand frère, le Gen 5 Detect. Sa grosse plus-value donc, on le voit, c'est sa nouvelle brosse qui est livrée avec, qui est une brosse qui permet de laver les sols durs. Cette brosse aura un réservoir d'eau de 300 ml que l'on va pouvoir remplir d'eau du robinet par exemple, et on va pouvoir laver sur des sols durs des liquides, des débris, des taches, et on va pouvoir couvrir 110 mètres carrés. Ça va marcher sur du parquet, sur du lino, du carrelage, bref, toutes sortes de sols durs. Moi j'ai une tache d'une poubelle dont je me suis rendu compte une semaine après, et bien en quelques petits coups, plus rien, ça c'était pratique. Son moteur, hyper dimum et ultra puissant, il va aspirer tout sur son chemin, surtout si vous adapter la bonne brosse. Par exemple, vous avez la brosse pour le tapis. J'ai un tapis, moi, de mon côté qui est en 3D, assez épais, et pour le coup, ça marche extrêmement bien. Et il y a une poussière qui sort à chaque fois, c'est juste dingue. Ou encore la brosse avec l'optique fluffy qui permet de voir la poussière avec cette petite jotte verte et c'est juste beaucoup trop stylé. Bref, ce Dyson Submarine, il est vendu avec un pack complet de brosses et d'accessoires complémentaires au prix de 949 €. Et il est déjà disponible. Merci Dyson, en tout cas, d'avoir sponsorisé ce passage de la vidéo. On remet les lunettes et on reparle de Ray-Ban. Premier point, déjà, c'est qu'elles viennent livrer ces lunettes dans leur étui iconique que vous connaissez obligatoirement si vous avez des lunettes Ray-Ban depuis des années, en cuir, pas hyper gros non plus, donc qui peut venir se glisser dans n'importe quelle veste ou poche, mais à la différence d'un étui classique, ici on retrouvera un port USB-C, une petite diode à l'avant qui vient s'allumer dès qu'on l'ouvre pour montrer le pourcentage de batterie restant, et un petit bouton caché au dos pour appareiller les lunettes. Cet étui permettra de recharger 8 fois les lunettes. Et les lunettes en elles-mêmes ont 5 heures de batterie, ce qui permet en soi d'avoir 40 heures à peu près d'autonomie. À titre indicatif, ça fait 2 semaines que je les utilise au quotidien, je n'ai pas encore eu à recharger le boîtier et les lunettes sont toujours à 100%. Donc pour le coup, oui, ça marche plutôt bien. Les lunettes, du coup, quand on les voit de loin, on n'a pas du tout l'impression d'avoir en fait des lunettes connectées. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, on se retrouve avec une vraie monture de lunettes comme on pourrait avoir une monture de lunettes classique avec deux designs, Wayfarer ou Headliner, des verres dont on va pouvoir choisir le style et la teinte. Les branches sont un peu plus grosse que des lunettes classiques, mais en même temps il faut dedans mettre de la batterie, des processeurs et surtout des haut-parleurs, mais finalement ça gêne pas tant que ça puisque de nos jours il y a de plus en plus de lunettes qui ont des branches aussi grosses voire plus grosses, donc moi ça me dérange pas des masses, sauf le fait qu'elles reviennent vers l'arrière et donc pour les mettre sur sa tête il faut vraiment les écarter, sinon on risque de se faire un peu mal au niveau de la peau. On va retrouver un bouton unique sur la branche droite en haut de l'appareil pour avec un appui simple prendre une photo, un appui long prendre une vidéo, on peut intervertir dans l'application si on le souhaite, on va retrouver des contrôles tactiles sur la branche droite, un capteur de près mais aussi des haut-parleurs à droite et à gauche pour bien donner du son dans nos oreilles si jamais on veut écouter quelque chose ou juste discuter avec l'assistant vocal. Et ensuite donc en façade avant on retrouve d'un côté la caméra et de l'autre côté la diode puisque oui c'est obligatoire d'informer les personnes en face de soi qu'on est en train de filmer ou d'enregistrer quelque chose. La personne saura qu'on l'enregistre parce qu'on a une petite diode qui apparaît et nous aussi on saura qu'on enregistre pour pas non plus se tromper avec une toute petite diode qui arrivera sur le coin ici à droite de l'œil pour nous l'informer également. Et dernier petit point c'est qu'il y a un petit bouton sur la branche gauche cette fois-ci qui est slider et qui permet de désactiver tout le mode connecté de ces lunettes. Si jamais vous voulez juste les utiliser sans qu'il y ait quelque chose qui se lance, par exemple sous un casque de ski et que vous ne voulez pas que ça se déclenche à tout bas, on peut désactiver tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Une fois portées, elles sont pas si lourdes, elles tiennent très bien en place, elles sont agréables au toucher et franchement j'ai l'impression d'avoir des lunettes on ne peut plus classiques sur ma tête. Il y a un petit bruit dès qu'on les met qui arrive via les haut-parleurs qui nous dit que c'est bon, elles sont connectées, elles sont ajustées et qu'on peut directement les utiliser. On appuie une fois ici. On a le petit bruit de la photo, on reste appuyé, on peut donc enregistrer une vidéo avec un petit bruit qui nous l'indique également. Ces lunettes, on va pouvoir les contrôler via la voix, bien entendu, avec le Hey Meta qui active les lunettes et donc qui va nous permettre d'interagir avec. Alors, pas comme du Google Assistant ou du Siri, on va être assez limité sur la prise de photo ou de vidéo, mais aussi la possibilité de mettre de la musique, d'appeler quelqu'un, d'envoyer un SMS, bref, c'est limité, mais ce sera mis à jour en 2024, Meta nous l'a assuré. Et puis, si on préfère ne pas parler puisqu'on est dans un environnement un peu bruyant, on peut tout simplement utiliser les contrôles tactiles sur la branche droite qui permettent de mettre play, pause, changer de musique, baisser de volume, bref, c'est plutôt pratique. Elles embarquent donc des haut-parleurs qui sont bien meilleurs de ce que les premières versions pouvaient proposer.
Alors on est loin encore une fois d'écouteurs qu'on va mettre dans ses oreilles, mais en même temps c'est normal, c'est à l'air libre et c'est directement en direction de l'oreille, c'est pas de la conduction osseuse. Ça permet par exemple d'avoir les interactions vocales, c'est agréable, mais ça permet aussi par exemple quand vous faites du vélo et que vous ne voulez pas être coupé du monde, d'avoir un peu de musique sans toutefois être dans votre bulle avec de la réduction de voix active. C'est la musique qui passe parce que le son est correct, mais on est très très loin de ce qui se fait de mieux, mais c'est encore bien meilleur de la première génération, donc c'est une belle amélioration quand même. Mais donc la principale chose en fait quand on va acheter ces lunettes, à mon avis, c'est de prendre des photos et des vidéos. Des photos de 12 millions de pixels en ultra grand angle et des vidéos en 1080p 30 images par seconde. Les résultats, vous l'avez vu en partie en introduction, bah, ils sont assez corrects quand même, hein, parce que pour le coup, on se retrouve avec une vraie qualité stabilisée en Full HD. Ça marche plutôt bien. Et à la grande différence de la première génération, celle-ci permet d'avoir un format rectangle, là où la première génération, c'était un format carré, beaucoup moins exploitable. Mais quand même, je reste sur ma faim, j'aurais préféré avoir une polyvalence plus grande, d'avoir des formats différents pour pouvoir les exporter, parce que ce style de vidéo, quand vous allez les prendre, si vous voulez le mettre en story, bah vous aurez des grandes bordures et c'est pas très joli. Ça permet d'avoir un vrai kit main libre sur ses yeux avec les deux mains disponibles, de faire ce que l'on souhaite. Les vidéos sont limitées à 60 secondes en maximum, on peut pas aller au-delà, c'est un peu dommage. Mais ça marche bien de jour comme de nuit, c'est bien stabilisé, donc oui, pour le coup, c'est un gros oui sur ce point des lunettes, sauf le format. Je reste un peu sur ma faim de ce côté-là. Les photos sont de bonne qualité, mais encore une fois, c'est assez lisse, ça manque de détails. Et quand on regarde la taille du capteur, on comprend mieux pourquoi. Donc il y a encore une petite marge d'évolution de ce côté-là. Le stockage intégré, c'est 32 Go à peu près, qui permet d'avoir soit 50 photos environ, soit 50 vidéos. À vous de voir. Mais de toute façon, dès que vous ouvrez l'application Meta, vous pouvez tout transférer directement dessus, c'est assez rapide. Et votre application peut avoir des dizaines et des centaines de photos stockées qui viendront elles-mêmes se mettre dans votre pellicule. Et vous pouvez même, via cette application, et bien directement depuis votre photo, la partager par WhatsApp, par Facebook, par Messenger ou même en story Instagram. Le son aussi est excellent parce qu'il y a 5 micros disposés à 360 degrés qui permettent vraiment de capter tout autour. Donc que ce soit dans la rue ou dans un concert, je pense qu'il y a de bonnes choses à faire. Et bonjour, et si aujourd'hui on testait des lunettes connectées avec une caméra intégrée, les Ray-Ban avec Meta? Et comme on parle de Meta et que Meta propose des lives sur Instagram ou sur Facebook, sachez que vous pouvez faire des lives avec vos lunettes sur votre nez directement sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook. C'est quand même vachement pratique pour par exemple faire des déballages. Vous avez juste à regarder vos mains et tout se fait directement comme ça via les lunettes. Ça c'est cool. Et enfin le dernier point, c'est que on le sait, il y a l'intelligence artificielle intégrée puisqu'il y a une puce, la Qualcomm AR1 Gen 1 qui est intégrée, qui sera un peu plus activée en 2024 et encore une fois Meta l'a annoncé. Avec de l'IA qui va arriver, par exemple, cas concret qu'ils ont donné, Meta. Vous faites un tennis avec ces lunettes sur votre tête et vous allez tout simplement avoir la possibilité de savoir si la balle est bonne ou out via la caméra intégrée de ces lunettes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est prometteur. Bref, ce sont des lunettes avec beaucoup de potentiel, vachement intéressantes, avec un beau design, de bonnes fonctionnalités, assez pratiques et pas non plus trop connectées. On peut les garder sans souci, sans que les gens se disent waouh, c'est quoi ces lunettes, comme ça avait pu être le cas sur les Snapchat. Franchement, c'est une bonne chose de ce côté-là. Le prix aussi en soi n'est pas excessif, je trouve. 330 € pour ces lunettes, quand on sait que des Ray-Ban habituellement c'est quand même assez cher, sauf que là on en rajoute beaucoup de choses et qu'on garde la patte Ray-Ban actuelle, donc ça c'est excellent aussi. Je pense avoir tout dit sur ces lunettes, très prometteur, et j'en suis très content parce que ce sont peut-être mes lunettes qui vont m'accompagner pour le futur, au ski, dans les salons, pour faire des déballages, et ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.